من فضلكم نفس التدابير. الهواتف النقالة أثناء اللي بيصحوا فيه إن شاء الله تكون طافية. أخوان المصورين عندكم ثلاثة أربع دقائق إن شاء الله تاخذوا صور. نبداو في اللي بيصحوا فيه إن شاء الله. اوكي بارك الله فيكم. الندوه الصحفيه مفتوحه. السيد عيسى بدري تفضل. شكرا. السلام عليكم. السيد بلماضي مرحبا اهلا تحيه لكل الزملاء. عوده ميمونه اذا صح تبدا نقول عوده ميمونه وبالتوفيق ان شاء الله للمدرب جمال بلماضي في مرحله صح التعبير اذا كان ممكن نسميها مرحله جديده بدايه مرحله جديده للمنتخب الوطني بعد كل الذي حدث كأس إفريقيا ومقابلة الكاميرون. أبدأ سيد بلماضي في أول تربص الآن تحسبا لتصفيات كان 2023. ملاحظ على القائمة، إذا نبدأ بالقائمة. ملاحظ إذا سبعة لاعبين جدد، لاعبين تخليت عنهم في القائمة. ممكن نعرف ما هي معايير سيد بلماضي أو فلسفة سيد بلماضي في ضبط هذه القائمة؟ اللاعبين في اختيار اللاعبين الجدد، اللاعبين اللي تخلى عليهم اللي متعودين في المنتخب الوطني وغير موجودين في القائمه الجديده، هل هي بدايه التغيير راح يكون تدريجيا؟ وهل التخلي عنهم نهائيا ام يبقوا معنيا بالمنتخب الوطني؟ والان فلسفه السيد بلماضي لهذه المرحله الجديده مقابله اوغندا ثم تنزانيا، في كل هذه الظروف اللي عاشها المنتخب الوطني على هذوك اللاعبين هادو جدود صافي من البداية رانا نتبعوهم أنا استيمي كسيتي الوقت هذا لي الوقت إيديال بو بوفوار نبداو يجوا في هذا المنتخب ويبينوا الكاليتي تاعهم. لا سيتواسيون اي بلو بروبيس اجوردي و سورتو revenir en équipe nationale c'est tout un processus notamment le scouting ou l'observation de l'arrivée. C'est des joueurs qui pour nous, ça fait très longtemps qu'on a un développement. On estimait que c'était le bon moment pour eux de venir, en sélection. Ça c'est la première étape pour eux. Le mohim meshed, le mohim c'est... tout n'est pas encore arrivé pour eux. Évidemment que s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ont une équipe. Évidemment des qualités. Ils ont montré qu'ils méritaient d'être observés et ils méritaient de rejoindre le groupe, ce groupe-là. Ensuite, il y aura ce que je vais estimer peut-être être le plus difficile. On a vu des joueurs qui sont arrivés dans toutes les sélections au monde. On a des joueurs qui ont une sélection. On a des joueurs qui ont très peu de sélections. Ça veut dire que arriver en équipe nationale n'est pas une fin en soi. C'est effectivement quelque chose de méritant, quelque chose de presque de glorifiant, rejoindre une équipe nationale. Mais ensuite, le plus dur reste à faire. Le plus dur reste à faire parce qu'on va être au milieu de la concurrence, on va être au milieu de joueurs de haut niveau et il va falloir se démarquer
et surtout prouver qu'on mérite d'être là et peut-être même avoir un rôle important dans cette équipe nationale. Nous le tawfiq, évidemment. On va faire tout, on va faire en sorte pour qu'il s'adapte le plus vite possible et qu'il puisse exprimer toutes les qualités qu'ils ont. Pour ce qui est des joueurs qui n'ont pas été retenus, c'est ça que vous allez me dire, est-ce que c'est définitif ou pas? Non, rien n'est définitif. Rien n'est définitif. Tant qu'on est compétitif et que j'estime qu'un joueur puisse aider l'équipe nationale, on reste sélectionnable. À moins qu'un joueur de lui-même déclare qu'il met un trait à sa carrière internationale. Et dans ces cas-là, les choses sont différentes. On a des joueurs d'un certain âge qui pourraient éventuellement, avec le temps, après une réflexion, estimer que c'est la fin pour eux. Donc dans ces cas-là, on fera en sorte qu'ils ont une sortie honorable. Hein, pour les joueurs qui ont rendu service à l'équipe nationale et qu'on brille avec l'équipe nationale. Mais sinon, tous ceux qui sont compétitifs et qui me donnent l'impression, staff et moi-même, qu'ils peuvent encore aider cette équipe nationale et faire en sorte qu'elle soit la plus forte possible, la porte est toujours ouverte. Monsieur Djemel Belmadi, je me trouvais dans cette salle lors de votre installation il y a quelques années. Et je voudrais vous poser une question sur votre état d'esprit. Quand vous vous êtes retiré, vous avez dû prendre une décision, vous avez réfléchi, vous auriez pu prendre une autre décision, celle que vous avez prise. J'aimerais savoir, d'une part, qu'est-ce qui a motivé la décision de revenir, est-ce que ce sont tous les messages de soutien que vous avez reçus? Est-ce que c'est votre combativité, puisque on le sait, c'est pas nouveau, vous ne voulez pas sortir sur une défaite, ou bien c'est autre chose que vous allez nous dire? Et j'aimerais savoir, aujourd'hui, Belmadi 2, par rapport à votre première installation, quel est votre état d'esprit? Les messages dont vous parlez de ceux qui ont motivé ma venue et qui ont confirmé la confiance qu'ils avaient en moi, en mon staff, c'est la raison principale pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai presque envie de dire que tout le reste est anecdotique. Si j'avais estimé, si j'avais senti qu'il y avait le moindre doute, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est simple que ça. Et même comme ça, on est quand même passé par beaucoup de comment dire ça, une décision qui allait un jour comme ça, l'autre jour comme sans s'opposer. Il fallait beaucoup de recul, beaucoup de lucidité aussi. Et se dire que voilà, si on estime qu'on peut encore faire briller cette sélection, je me dois de répondre à cet appel. Ça, c'est la première des étapes déjà là-dedans. Ensuite, évidemment qu'il faut avoir en soi des convictions, je vais dire presque certaines certitudes, même si on n'en a pas à 100%, mais il en faut quand même. Et puis surtout, l'envie, parce que le métier n'est pas facile, parce que représenter une sélection nationale, quelle qu'elle soit, c'est toujours une grosse responsabilité. Alors encore plus quand c'est celle de son pays, il faut pouvoir être à la hauteur des attentes. Donc c'est une réflexion qu'il fallait avoir aussi.
il faut beaucoup d'énergie pour ça, il faut beaucoup d'envie pour ça. Mais quel mariage c'est là. Mais aujourd'hui, on arrive avec beaucoup d'envie, beaucoup de rage, sinon je ne serais pas là. Et au moins cette honnêteté-là, où on est capable, on n'est pas capable. Donc voilà, j'estime qu'on devait, de un, répondre à l'attente, en tout cas à l'estime du peuple. Ensuite, ça devenait plus technique. Et là, faire un travail sur soi-même et savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de proposer, comment on est capable de... Et après, voilà, c'est le début de la réflexion, c'est le début de la réflexion sur le travail. Et là, il faut que peut-être que des idées, des nouvelles idées naissent. Il faut peut-être que sans, je vous l'avais dit à la conférence de presse d'après match, sans tout remettre en question, mais quand même, essayer de sur certains points, de se réinventer et de faire en sorte de surprendre, de nouveau être pesé sur ce continent et jouer les premiers rôles. السلام عليكم كوتش، شكرا سعيد قناة الوطن المنتبه. كوتش تحدثت منذ قليل عن غياب بعض اللاعبين واللاعبين الجدد. نتحدث اليوم عن غياب أبرز عنصر في المنتخب الوطني الجزائري عن رياض محرز أقصد. بخصوص رياض محرز شفنا عبر بيان نشرته الفاف عبر موقعها الرسمي تمنات الشفاء العاجل للاعب. بالمقابل رياض محرز كان أنهى الموسم نتاعو مع السيتي دون إصابات خطيرة ومن جهة أخرى شفنا تداول بعض الصور للاعب في مراكش كان يستمتع بالعطلة نتاعو كوتش ما تشوفش أن هذا راح يأثر ربما عن روح المجموعة كون أن رياض محرز يعتبر عنصر أساسي داخل التشكيلة وشكون تشوفوا ربما الأنسب اللي راح يتولى منصب قيادة المنتخب أو القائد اللي راح يكون قائد الفريق أقصد شكرا une goulave chancelière. Aujourd'hui, j'ai pas la force, désolé, j'ai pas l'énergie pour aller chercher, c'est pas naturel pour moi. De bien développer en arabe, c'est difficile. Désolé, surtout pour des sujets aussi importants pour vous. Pour moi, c'est une non-affaire, mais on a malheureusement besoin des fois de se mettre comme ça. C'est l'époque qui fait ça, du mauvais buzz, derrière, j'ai même envie de dire, ou l'ASF, pour être préoccupé de ce que... On peut se poser la question de pourquoi le capitaine de l'équipe n'est pas là, on peut se la poser, mais dès qu'on a déjà une grosse partie de la réponse, avant même de commenter ça, en allant dans tous les sens, jusqu'à aller chercher à savoir pourquoi il est en vacances dans tel ou tel endroit. Je trouve que ça n'élève pas au niveau excusez-moi du terme du journalisme algérien, sportif en tout cas. Le plus important c'est une question sur laquelle on peut répondre, pourquoi il n'est pas là. On a déjà une partie de la réponse, on a reçu un rapport médical de son club, Manchester City, seulement lui. Qui dit clairement, et sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a le secret médical, c'est pas de mon ressort, je vois pas aussi même de quel ressort c'est de qui que ce soit pour pouvoir commenter la blessure exacte du joueur. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus loin et se dire, mais il a pu participer quand même à la dernière rencontre, presque même les deux dernières rencontres, même en sortant assez. Assez,
assez tôt de la rencontre, ce qui pourrait être déjà une première des réponses. Faut vous rappeler qu'après les deux matchs du Real Madrid en Champions League, il n'a pas joué les deux rencontres qu'il a suivi, ce qui peut expliquer le mal dont il souffre. Ensuite, il restait deux rencontres capitales, peut-être, on connaît le football, quand c'est comme ça, on serre les dents, je vois Ibrahimovic, je ne sais pas si vous suivez ça, qui dit qu'il a joué toute la saison avec beaucoup de piqûres sur son genou, je ne sais pas, il a parlé de plus de 20-40 piqûres, traitement médicamental, si on peut dire ainsi, pour pouvoir faire de ce scudetto à son pays. Donc il y a cette histoire d'esprit de sacrifice. J'imagine, c'est pas que les rencontres sont, et surtout le timing de nos rencontres sont hyper importantes, qu'on s'y méprenne pas. Mais peut-être que si demain on avait, une finale de Coupe d'Afrique, un match, peut-être qu'il aurait dû serrer les dents, et peut-être qu'il aurait dû jouer, même si moi j'aime pas ça en tant qu'entraîneur, parce que avant tout c'est protéger la santé des joueurs. Forcer un joueur à jouer, j'ai jamais fait. J'ai eu des joueurs compris durant mon passage en sélection, il y a eu plusieurs fois, notamment Riyad, des matchs extérieurs, où il était pas bien. Plusieurs autres joueurs n'étaient pas bien, à la limite de ce qui pouvait expliquer d'ailleurs des rencontres assez performances assez moyennes de ces joueurs-là. C'est chose qu'on cache, qu'on dit, mais j'ai toujours donné la possibilité aux joueurs de prendre la décision. Peu importe le match, peu importe l'importance du match, c'est d'abord la première chose que j'estime qu'un entraîneur, un éducateur doit avoir, à savoir protéger la santé du joueur. Donc pour revenir à pour en finir avec ça, on a reçu un rapport médical de ce club qui dit qu'il est blessé. On aurait pu, je ne l'ai jamais fait depuis 4 ans, on aurait pu faire venir le joueur et faire constater la blessure. Il était presque plus que enclin à le faire. Je ne l'ai jamais fait avec qui que ce soit, pourquoi je le ferai avec Riyad Mahrez. Il faut savoir qu'avec Riyad, ce sera le mot de la fin par le concernant, c'est peut-être le joueur avec lequel je suis le plus demandeur, à savoir le plus exigeant, et avec lequel j'ai le plus peut-être à devoir serrer un petit peu, entre guillemets, un petit peu la vis avec lui. Après, les performances sont les performances. Il a été excellent en équipe nationale, il a été même capital sur certains matchs. Il en a fait d'autres qui sont un peu moins bien. Donc on ne mixe pas ça et ça. On ne mélange pas le fait qu'on estime que peut-être on attendait plus de lui sur certains matchs, notamment les derniers matchs, et le fait qu'aujourd'hui il estime qu'il est blessé, qu'il est en vacances. S'il est blessé, il a le droit d'aller là où il veut. Ce n'est pas de mon ressort, ça ne devrait pas être le nôtre. Le plus important, c'est que les choses sont bien établies. Il y a eu un rapport médical de fait. Il était enclin à venir faire constater sa blessure. J'ai décidé de ne pas le faire. Comme je l'ai fait, je n'ai jamais fait venir un joueur pour faire constater sa blessure quand on a reçu un rapport médical. On estime qu'il y a un rapport de confiance à avoir et avec les clubs et avec les joueurs. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer à créer le doute ou créer ça. Va commencer, parce qu'il n'y a pas lieu de le faire. Voilà. Salam alaykoum coach, toi c'est Louis Bateau Algérien. On avait insisté lors de la dernière conférence de presse sur le fait qu'il faudrait garder le noyau d'équipe. Alhamdulillah, le noyau il est. Là, on a deux matchs, on a vu des surprises en Afrique. Donc, déjà, il faut éviter un scénario dramatique pour l'Etcha. Donc, il faut parler des deux matchs contre le Rwanda et le Tanzanie. Un mot sur ces deux ouais, c'est le plus important. C'est le plus important. J'espère qu'on aura un troisième match. On travaille dur pour ça. Depuis pas mal de temps, c'est presque inquiétant comment il est difficile de se mettre d'accord avec les équipes. Et surtout les demandes des équipes avec lesquelles on travaille. Depuis plus d'un mois, on reçoit des choses assez extraordinaires, des propositions extraordinaires, presque indécentes concernant notre pays, des choses qu'on ne peut pas accepter. Bon, je tairai là les détails, mais très difficile d'organiser des matchs. Après, nous, on a reçu, je parle par rapport au troisième match qui me tient à cœur, parce que on a deux matchs de qualification d'Afrique sur lesquels on veut évidemment, comme d'habitude, gagner
et voilà, se qualifier le plus tôt possible, chose qui n'a pas toujours été le cas. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le répéter. C'est chez nous, c'est devenu, depuis mon arrivée en tous les cas, c'est devenu presque une mondiale. Une formalité de se qualifier le Coupe d'Afrique, ça n'a pas toujours été le cas. On a raté plein ces dernières années. Donc on va faire en sorte que ça reste une formalité, je crie pas là-dessus. On va faire le nécessaire pour ça, on va travailler, on va se préparer le mieux possible. Mais en même temps, par rapport à ça, il est difficile de ces joueurs que l'on fait venir, ces nouveaux joueurs, de les jeter dans le bain comme ça, sur des matchs avec une certaine spécificité, peut-être qu'ils ne connaissent pas, sûrement qu'ils ne connaissent pas. Et les mettre dans la difficulté, c'est pas l'objectif des choses. Les choses, elles se font. On veut que les joueurs, quand ils intègrent l'équipe, on veut voir. On veut les mettre vraiment dans les meilleures conditions pour qu'on puisse obtenir satisfaction, qu'on puisse voir comment le joueur peut s'exprimer, peut donner le meilleur de lui-même. Donc le but, c'est pas de les mettre dans des matchs où il y a un environnement particulier, où il y a une façon de jouer qui est particulière, qui est loin peut-être des standards du continent duquel ils viennent. La plupart, ils viennent tous d'Europe. Donc je tiens à voir ce troisième match parce que ça permettra là pour le coup de les voir tous et puis dans des conditions plus tranquilles où il y aura moins de pression et qu'ils puissent montrer toute leur qualité. Donc on est en train de travailler jusqu'à aujourd'hui sur ce troisième match. C'est pas évident, je vous dis, ça fait très longtemps qu'on bosse là-dessus et là je me rends compte que plus que jamais c'est pas évident. Je sais pas si c'est la période, je sais pas si c'est parce que c'est juste après une période de vacances, je sais pas, plusieurs raisons. Sur ces deux matchs, l'Ouganda, on va commencer par déjà l'Ouganda, on va faire match après match. L'Ouganda est une équipe très accrocheuse. Si on voit sur leur campagne de qualification de Coupe du Monde, ils perdent un match contre le Mali 1-0, puis ils accrochent le Mali à domicile, ils font 0-0 je crois. Ils battent je crois le Kenya une fois, ils font je crois deux victoires, une défaite et le reste de match nul. Une victoire, une défaite, trois matchs nuls. Donc c'est une équipe qui n'encaisse pas de buts. Vraiment très 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 peu de buts. Je crois deux sur leur campagne de qualification de Coupe du Monde. Donc ça reste une équipe qui va être difficile à manœuvrer, ça c'est certain, parce que c'est les résultats qui parlent. Quand on sait la qualité d'une équipe comme le Mali par exemple. Donc c'est une équipe sur laquelle on va voir. Aujourd'hui de toute manière, on le sait tous, on le dit jamais assez. Le niveau c'est vraiment rapproché. Il n'y a plus de petites équipes, on a tellement dit ce truc que c'est les faits qui parlent. On regarde encore la dernière compétition, la Coupe d'Afrique, qui a réuni 24 équipes, donc il y a quasiment toutes les équipes, les meilleures équipes africaines qui sont là. On voit que les grosses équipes, nous-mêmes, on en a fait les frais, le Sierra Leone, le Guinée équatoriale, je parle de la meilleure équipe du moment, à savoir le Sénégal qui gagne 1-0 sur son premier match contre je sais plus qui le Malawi, non, premier match Malawi, non, c'est le dernier match. Un match Zimbabwe, 94e, 97e minute, comme ça, pénalty de Mané. Deuxième match contre la Guinée, mais la Guinée c'est une bonne équipe, la Guinée, c'est 0-0. Troisième match Malawi, 0-0. Donc pour à la fin finir champion d'Afrique. Ça c'est le meilleur exemple. Après je pourrais citer en pagaille. Donc nous, il ne faut pas qu'on fasse. Nous, c'est sûr qu'on ne tombe pas sur une équipe. Pour moi, c'est très, très cohérent ce qu'ils font. Donc il va falloir vraiment se préparer et se remettre dans l'esprit conquête et reconquête, j'ai envie de dire même. Et rien ne va être donné comme ça facilement. Nous sommes fâchés, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, on va revenir, on va gagner les matchs facilement. Non. Bien au contraire, ça va être. Tout le monde va penser nous faire encore plus de mal. C'est normal. Tout le monde va nous rendre les matchs très très difficiles. Ça va être à nous de se montrer à la hauteur et de vraiment de relever la tête et de gagner tout simplement.
Bonjour coach. Coach, du côté de la stabilité a été choisie par rapport à ce qui pouvait entraîner une période de déstabilisation de l'équipe nationale. Vous avez décidé de rester. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, coach. Vous avez dit, il faut de l'énergie, il faut de nouvelles idées, il faut des convictions. Je voudrais, quand vous dites ça, par exemple, des idées, est-ce que vous pensez apporter des changements au niveau de votre staff technique? Ça, c'est la première question. Et là, ou apporter de nouveaux éléments au niveau du staff. Et la deuxième question concerne les 7 nouveaux joueurs auxquels vous avez fait appel. Je ne parle pas du jeu. Dans la vie du groupe, ils arrivent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux dans cette vie du groupe? Une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau? C'est-à-dire parce que c'est un nouveau cycle qui a enclenché. Merci. Pour ce qui est du staff technique ou staff médical, j'estime qu'on a des staffs compétents. Là-dessus, il n'y a pas un staff qui est compétent, qui est discret, qui est travailleur. Croyez-moi qu'on n'a pas attendu d'avoir la dernière désillusion pour remettre en question, on se remet en question à chaque fois. Donc là-dessus, c'est pas là où le problème s'est posé. Tout le monde, leur CV parle pour eux, que ce soit le staff médical ou le staff technique. Leur envie est là, la compétence est là. Donc il n'y a pas à se tordre le cerveau dans ce domaine-là. Ensuite, ces joueurs-là, quand on arrive dans un groupe, on est généralement un petit peu timide. Donc déjà, on va faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer le plus vite possible. Il y a des joueurs qui sont atypiques à 4-5 jours. Parmi les nouveaux, il y en a eu au moins 2 qui sont venus bosser un peu plus tôt que prévu. Et puis on peut s'apercevoir, voilà, la glace a été brisée rapidement. Ils vont faire en sorte, chacun sa personnalité, chacun son caractère, on va faire en sorte qu'ils s'expriment le mieux qu'ils peuvent, le plus naturellement possible, pour pouvoir tout de suite être dans le jeu, dans le groupe. C'est une sélection nationale aussi, c'est pas un club. Donc la sélection nationale, par définition, il y a du mouvement, ça change, c'est pas toujours pareil, même si la plupart du temps il faut et il y a un noyau dur, on ne peut pas changer tout un squad, tout un groupe de FIFA à une autre. Mais si on est habitué à ce qui est de nouveau, là on va faire en sorte qu'il puisse rentrer. Mais bon, ça c'est vraiment aucun souci. Ce groupe-là a toujours très bien vécu, a toujours très bien accueilli. Accueillir entre guillemets les nouveaux. Et puis le plus important, c'est qu'ils puissent être en situation de donner au maximum et de se montrer au maximum. Bonjour coach Salah Faisal, Al-24 News. On parle beaucoup de stabilité, que Dana Bolmadi va continuer l'aventure avec l'équipe nationale. Mais à un moment donné, on a parlé aussi de contrat moral. Il y a un contrat en papier qui prendra fin à la fin de décembre pour fixer des objectifs avec la Fédération algérienne. Je pense qu'il faudra un vrai contrat, on va dire. Est-ce qu'il y a eu une prolongation de la part de la Fédération algérienne de football pour M. Dem Abdelmadi? Ça, c'est une première question. La deuxième question, ça concerne le joueur Ben Ayed, le joueur longtemps décisif. Vous allez le voir au quart. Un mot sur le joueur. Merci beaucoup. Bon, Ben Ayed, c'est pour ça le plus important. Ben Ayed, c'est un joueur que je connais depuis pas mal de temps. Je ne l'ai pas découvert ici à Sétif. Je l'avais déjà vu quand j'étais au Paradis. Il a eu malheureusement une blessure qui l'a stoppé un petit peu dans son élan. Je pense qu'à ce moment-là, il était, pour l'avoir discuté avec son président à l'époque, il était en phase de partir pour l'Europe, Belgique ou un truc comme ça. Il a été coupé dans son élan avec sa blessure. Il s'est bien remis. Ça prouve la force de caractère du joueur. Aujourd'hui, il fait partie peut-être, pour moi, des meilleurs attaquants du championnat. Donc, il mérite la sélection. Il profite, pour être très clairement, de l'absence de certains joueurs évolués en Europe à cette position qui sont décisifs, qui risquent de nous rejoindre au mois de septembre, Inch'Allah.
Mais chacun son, le football est fait d'opportunités. Il aura l'opportunité, j'espère surtout avec si on a ce troisième match, de pouvoir démontrer qu'il a le niveau international, parce que ce n'est que ça. Ce n'est que ça à la base. Briller dans son club, c'est une chose. Être décisif dans son club, c'est une chose. Après, quand on est l'équipe nationale, on va dans une étape supplémentaire. On monte d'un niveau. Donc pouvoir savoir si on peut briller à ce niveau-là. Donc je suis content pour lui qu'il puisse nous rejoindre. Ce sera à lui montrer qu'il a le niveau. Ensuite, c'était quoi le contrat? Le contrat moral, vous l'avez dit. Il signera un papier s'ils veulent, pas de problème. Mais ça ne se situe pas dans le temps pour moi. Confrère, consoeur, coach, le chargé de communication, bonjour Azouf Laou. Donc, moi je préfère parler du fond. Le fond, c'est que un nouveau challenge qui commence pour vous, coach, malheureusement, qui intervient dans un contexte d'anarchie, où ce stage intervient au même moment où le président de la fédération a été forcé de démissionner, donc ironie du sort, donc un stage sans fédération. Et ma première question est relative à l'échec de l'objectif du mondial. Donc après avoir raté cet objectif principal, à savoir la qualification en Coupe du Monde, comment allez-vous, coach, remotiver un groupe au bord de la déprime sportive, et est-ce que vous allez parler à vos joueurs et leur dire d'oublier l'épisode du match à rejouer face au Cameroun? Ma première question. Ma deuxième question, comment avez-vous réagi à toutes ces attaques qui ont fusé après votre déclaration à RMC de plusieurs acteurs du football africain, dont celles qui vous ont même traité de raciste? Merci, coach. Pour ce qui est du football, qui est la partie la plus importante, évidemment, avant même de convaincre ou de remotiver les joueurs, il faut nous-mêmes être enclins à repartir. C'est le cas. Même s'il y a beaucoup, je le répète, beaucoup de colère en moi, il n'y a pas de souci là-dessus. La colère, pour moi, elle va être gérée, elle va être surtout, pour moi, transformée ou utilisée justement pour repartir. On n'a pas du tout aimé, on pourra dire un mot là-dessus, je pense. On n'a pas du tout aimé la manière dont ce dernier match s'est passé, tous les niveaux. Notamment la fin. Donc il y a une partie qui est à la fin du match qui met en colère, et il y a une partie qui est tout le match qui a duré, je répète, 120 minutes, donc 2 heures. Donc on ne peut pas oublier ce qui s'est passé pendant 2 heures. Donc on pourra dire 2 mois là-dessus. Les joueurs garderont, les joueurs et moi-même, on gardera toute notre vie peut-être, je ne sais pas, professionnelle en tous les cas. Cette douleur, elle est présente, on ne va pas mentir. Cette douleur d'avoir raté cette qualification du monde, puisque c'était notre objectif. On a travaillé 4 ans pour ça. On a été invaincu pendant 4 ans. Presque accroché à un record mondial dans ce domaine-là d'invincibilité, puisqu'on est à 2 matchs, je crois, de moins que l'Italie. Ce qui est une performance en soi, même si certains veulent peut-être la négliger. Les ennemis de toujours. Passage, gagner des trophées,
chose que l'on n'a jamais fait aussi dans l'histoire de notre pays, à part en 1990, de temps en temps il est bon de le rappeler. Donc on a prouvé par les faits à quel point on était une équipe déterminée à aller à ce mondial. Il y a eu une petite chute lors de la dernière CAN. Les circonstances, si elle a, on peut en parler, on peut accepter l'idée que ce soit un échec. Mais dans l'ensemble c'est un groupe qui a été performant pendant de longues années. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé aussi. Si après on regarde aussi ces deux derniers matchs-là, on continue contre une équipe du Cameroun que l'on n'a jamais battue aussi dans notre histoire, qui n'a pas perdu chez elle pendant 24 ans et qu'on va battre finalement chez elle. Donc on continue sur l'idée que c'est une équipe qui est performante, une équipe qui est capable de renverser les choses même inattendues ou personne des fois, même ou certains doutent. Ce deuxième match s'est passé comme il s'est passé. Et là, je peux faire une transition sur la deuxième question, sur mon intervention. Je suis surtout intervenu parce que j'estime avoir défendu l'intérêt de mon équipe nationale, l'intérêt de mon instance qui est la Fédération algérienne, défendu l'investissement des joueurs, parce que ma première douleur, elle va aux joueurs, bien sûr au peuple, les joueurs font partie du peuple, donc c'est là ma douleur la plus profonde. C'est pas quelque chose de personnel, c'est d'abord pour eux qu'on est accablé, abattu, et de se dire que tous ces efforts réunis et puis réduits à néant, là je vais dans la deuxième question, et réduits à néant parce que ce que j'estime être un match, ces matchs là sont des matchs de qualification. Si vous regardez tous les matchs de qualification, dans toutes les zones du monde, pour celles qui s'intéressent au football, bien sûr, il n'y a aucun match où c'est la fête. Il n'y a aucun match où c'est la samba, où toutes les équipes déroulent. À part quand tu joues la France contre le Liechtenstein, c'est sûr que tu peux avoir une... comme nous, quand on a joué contre certaines équipes, on a déroulé, c'est normal, il y a un rapport de force qui n'est pas égal. Donc, mais sinon, dans tout l'ensemble, on ne voit que des matchs qui craquent. Regardez le Portugal encore, l'Italie qui se fait éliminer, le Portugal qui passe vraiment sur des... Beaucoup d'équipes. Nous, on joue le Cameroun. On a, dans notre historique, on ne les a jamais battus. C'est avant même d'avoir joué, ils ont toutes les statistiques en leur faveur. Donc on va les battre chez eux. On a perdu depuis 24 piges. On les reçoit chez nous. Et il y a un match qui se passe, pour un match de qualification. Donc c'est pas un match où on vient à la limite élaborer du beau football. Il n'y a aucune équipe qui élabore du beau football. Il y a une équipe qui est là pour mettre en place le meilleur système tactique pour gagner, si on veut rentrer dans l'aspect technique. Si vous regardez les 10 matchs de barrage, aller-retour, okay, ça fait 10 matchs. Tous les matchs, c'est 1-0, 1-1, but contre notre camp, on va en finale, on va au pénalty, Égypte, Sénégal. C'est que ça, à part le Maroc au retour qui gagne 4-1. 9 autres matchs, ça ne dépasse pas un but. C'est 1-0, c'est 0-0, c'est des pénaltys. Ça parle au téléphone, d'accord. Donc, quand je dis ça, nous, déjà que les matchs sont hyper serrés, déjà que l'historique est en faveur de cette équipe-là, qu'on a un petit moment de entre guillemets de doute par rapport à cette Coupe d'Afrique. Si en plus de ça, on nous rajoute, j'ai pas peur de le dire, c'est ce que j'ai dit, je le confirme, et j'attends qu'on m'invite, et qu'on m'appelle, ou qu'on appelle ça comme on veut, qu'on me convoque, qu'on a un arbitre qui fausse tout ça. Donc si certains ont parlé de... Si on a un qui n'est pas convaincu déjà ici du fait, parce qu'apparemment, il y en a, ils n'étaient pas complètement convaincus que l'arbitre a faussé tout ça. Ils sont restés sur les 20 dernières secondes, oui, mais avec tout ça, on aurait pu maintenir, on aurait dû garder ce résultat. Effectivement, on aurait dû. D'où ma colère, d'où ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai envie de dire,
ça fait plus de depuis 2019, notre sacre, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez faire l'historique, moi j'aime ceux qui font leur travail. J'aime pas qu'on vienne juste se baser sur nos paroles, notamment sur des plateaux, que ce soit ici, que ce soit en dehors du pays, qui viennent prendre deux mots, ils en font leur émission, ils font un buzz. Là, c'est des journalistes, je leur ai dit, sur RMC d'ailleurs, il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a rien du tout. Si tu veux t'intéresser au football africain, tu y viens et tu vas vraiment. Il n'y a pas de problème. N'importe quelle instance, même si on a envie de régler le problème entre nous, entre Africains, mais s'il y a des gens intéressés, ben ils y viennent en profondeur, ils viennent faire un travail sérieux. Donc nous, le problème, il ne date pas d'aujourd'hui. Le problème date depuis 2019. Et je peux vous donner les faits. Chaque match, rappelez-vous du match en janvier. Rappelez-vous du match en janvier, deux pénaltys. C'est scandale que ça a été. D'ailleurs, l'arbitre avait été sanctionné pour 3 mois. La blague continuait. 3 mois, c'est l'équivalent d'entre deux dates FIFA. Match Botswana, les attentats match au Burkina Faso à Marrakech, contre Ami Bondo, qui a eu son lot de. On l'oublie parce qu'on a gagné le match. Moi, je suis dans les détails, je suis dans l'aspect profond des rencontres. Le match au Cameroun était déjà un match. Le rabbi qui a été suspendu, c'est pas fait par hasard ça. Sur une touche où on fait même pas de sommation. Quand certains me disent, ouais, mais aurait dû jouer sa touche plus vite, on est toujours en train de se tirer des balles dans le pied. On n'est jamais d'accord sur ce qu'on nous fait. Donc, quand Fay, c'est lui qui centre au match retour, était aussi passible d'une suspension et qui fait un peu les tacles qu'il fait sur Youssef Blaïli, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus méritant un carton jaune que la touche sur laquelle Rami a mis du temps. J'avais mis le carton jaune. Il savait que d'un côté, il y avait une équipe qui avait 3-4 joueurs qui étaient passibles de rater le deuxième match. Des deux côtés, il savait. Il savait où mettre le carton ou pas mettre le carton. Donc ça, c'est des choses qui passent, qui savent faire. Moi, j'assume ce truc-là. Je continue à le dire. Si les gens sérieux veulent venir s'occuper du football, si M. Infantino, responsable du football mondial, qui a fait comme priorité de rendre le football africain, parce qu'il sait que c'est une source de joueurs de talents énormes qui viennent nourrir, qui viennent comme ça, qui viennent en Europe et qui viennent faire les beaux jours de tous les clubs européens. Il sait ça. Donc, qui dit qu'il veut mettre de l'ordre dans l'arbitrage, je ne sais plus exactement comment il a dit, mais en tout cas clairement là-dessus. Donc, ça, c'est des belles paroles. Finalement, il n'y a rien qui est mis en place. Tout le monde le sait. Et moi, je vous invite à dire, à part certains, il y a certains qui le font ici. Mais vous attendez toujours que ce soit une personne, notamment moi. C'est pour ça que je me dis, quand je monte au front, je viens pour défendre l'équipe nationale et la fédération. Qui a soutenu? Qui a tiré dans le même sens? Cher, pas. Désolé, vous n'avez pas fait votre travail. Tout journaliste, à part Hachal Mestehech, non. Soit ça se tait, soit ça va dans le sens contraire. Donc voilà, ça c'est une réalité. Et aujourd'hui, si on est faible de ce point de vue-là, moi je vois des réactions. Je vois des réactions il n'y a pas longtemps d'un joueur qui a été pointé du doigt pour une prise de position. Vous savez de qui je parle en France? Vous savez de qui je parle en France? Vous savez ou vous ne savez pas? Vous ne savez pas, malheureusement. C'est un problème. Alors que c'est un. C'est qui? Voilà. Donc, il y a tout un pays. Il y a tout un pays. Il y a le président de la République qui monte au front et qui se montre solidaire de son joueur. Pour une prise de position. Nous, on vient défendre l'intérêt. Je ne vais pas défendre mon intérêt à moi. Moi, j'ai dit, j'étais prêt à tout. Ouais, pas de problème, je défendais pas mon biftec, je ne prêchais pas pour ma paroisse. Si, ma paroisse, c'est mon pays, ma paroisse, c'est ma fédération. On se sent lésé, on monte au créneau. Donc après, eux, ils utilisent tous les moyens qui font décrédibiliser l'homme, aller lui parler des choses les plus ridicules, de racisme. Moi, mais j'ai trouvé qui sur mon passage, moi. J'ai trouvé qui avec moi. Al-Haq, j'ai besoin de personne. Hein. Si vous ne vous sentez pas concerné, si vous ne vous sentez pas habité de venir défendre les intérêts de vos propres intérêts, ou si vous n'y croyez pas. Si vous n'y croyez pas, ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent que Gassama fait un match correct, comme ils ont été le dire dans l'émission de Mahmoud. Voilà, tu l'as fait de Mahmoud. Donc, je termine après, je crois. Donc, quand tu as des prises de position comme celle-là, s'il y en a un ici là, qui se fera dire non, mais quand même, coach, Gassama, il n'a pas été si mauvais que ça. Qu'il lève la main. J'aimerais bien avec la caméra se tourne vers lui et qu'on le montre. Gassama,
son match a été comment il a été son match. Donc il n'y a pas un qui le pense. Alors comment j'arrive à voir, comment j'arrive à entendre quand tout le monde se bat. Mais je suis obligé de le dire, là, comme est-ce qu'il dit. Mais Djouch, il dit. Donc Nes mais Djouch. Mais il faut savoir, je suis obligé de vous le dire aujourd'hui. Normalement, j'avais prévu de. Moustapha, comme d'habitude, d'appuyer sur le bon bouton. J'ai pas prévu de parler de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Ouganda et le truc. Mais pour repartir sur un nouveau truc, on est obligé de régler ce qui doit être réglé. Il faut savoir que tous ceux qui se disent ennemis de tout, toute la journée, tout ce qu'on fait, ça sera tout. Déjà, ça n'apporte rien au pays. Ça, c'est une première des choses. Et deuxième des choses, ils sont bénéfiques en rien. Ils sont juste bénéfiques au bad buzz. Ils sont beaucoup bénéfiques à la critique et à monter des plateaux. Mais il faut savoir, le pire, c'est que ces gens-là, je les invite via Aboud. À chaque conférence de presse, je leur permets d'avoir un micro et de venir dire tout ce qu'ils disent sur le plateau, mais qu'enfin, on puisse leur répondre. Et puis s'ils ont raison, et puis s'ils disent des choses sensées et trucs, ils le diront. Et que s'ils ont une expertise, comme ils ont l'impression de le faire, comme ils se présentent comme ça, des docteurs de tout, on leur permet de venir. Ils ne veulent jamais venir. Ils ne veulent jamais venir, qu'ils viennent nourrir le débat. Je vais même dire encore autre chose. Et tous les acteurs de cette proposition sont témoins. Juin dernier, on demande après. Je demande, avec Aboud, on a encore avec Aboud, de faire. C'était pour moi la fin d'un. Pas d'un cycle, mais en tous les cas, après le match de la Tunisie, le match amical, on avait fait 3 matchs. Je me dis qu'il était bon, avant les qualifications de Coupe du Monde, de faire un bilan de ce qui a été fait. Et parler de la perspective d'avenir qui était la Coupe du Monde, même si elle est d'Afrique entre temps. Donc j'estimais que c'était une possibilité, à part les conférences de presse, on n'est quasiment nulle part, à part une ou deux fois à la radio, à la mal. Donc je me suis dit, ok, on va faire une grande émission, s'ils le veulent bien. Sous notre sponsor, notre télévision nationale, avec tous les grosses chaînes privées et tous les plus ou moins les différents consultants ou animateurs pour parler du football, pour parler notamment de l'équipe nationale, de ce que je suis en train de faire, de ce que nous sommes en train de faire, et que chacun sera libre. La radio aussi, voilà, toutes les instances, tous les différents organes, connus, reconnus, pour pouvoir parler de ça. Et libre à eux de dire tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est une proposition qu'on a faite. Et ça, c'est la télévision nationale qui gérait ça avec tout ça. Donc télé et radio. Résultat final. J'attends, j'étais à Sidi Moussa, c'était les vacances estivales, j'attends ici 5 jours. Tous les jours, je demande à Aboud, alors on en est où? Eh bien, ça ne s'est jamais fait. Je pense que ça aurait été une bonne chose, faire un bilan, tout le monde a l'occasion de parler, tout le monde a les divergences, parler des pour, contre, une chose. Et je pense que ça aurait nourri le débat, ça aurait aussi, surtout pour les amoureux du football, aurait été enrichissant pour eux, savoir un peu plus ce qu'on fait, plus qu'une conférence de presse qui est basée sur 50 minutes, une heure, on ne peut pas passer tous les sujets. Là, on aurait eu le temps de passer tous les sujets en revue, et puis avoir, voilà, je pense que ça aurait été intéressant pour tout le monde. Et bien, juste pour des divergences entre différentes chaînes et différentes personnes qui monopolisent et qui prennent en otage finalement les amoureux du football et les gens qui auraient aimé voir une émission comme celle-là, et bien ça s'est pas fait. Donc aujourd'hui et ensuite, par contre, ils vont se réfugier dans des petits studios, et voilà, et on désingue de tous les côtés parce qu'on a des projets, c'est toujours la même histoire. Mais je vous dis ça, juste termine sur ça, maman, c'est ça. Dites-vous que je vais repartir, que maintenant je me tairai, que je ne donnerai plus de sens à tout ça, c'est fini. Je vous ai dit ce que j'allais dire, notamment là, et plus jamais je rebondirai sur les pseudos affaires. Vous me parlerez maintenant de technique, d'équipe nationale, de notre performance, de nos fonds de jeu, c'est tout ce qui m'intéressera à l'avenir. Claude, sans chercher à rentrer ni dans une polémique, ni je vous invite à venir regarder l'émission. Si je termine, Vous allez regarder. Non, l'émission.
il y avait avec moi Sidi Ahmed Khedis. Je termine. On apporte la contradiction à l'invité. En lui disant, et l'invité, on pensait que c'était bien, c'était quelqu'un qui était au niveau de la VAR, qui est algérien, et qui a fait les choses spontanément, et qui a été invité juste avant à la télévision algérienne. Et je le dis, il n'y avait nulle envie, ni de donner raison à Gassamani. Et d'ailleurs, Sidi Ahmed Khedis apporte la contradiction en disant, je ne suis pas d'accord sur ça, il y a des erreurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter. Et elle est disponible. Merci. Oh, j'ai vu l'émission. Bonjour, coach. Vous avez expliqué les raisons qui ont fait que vous décidez de continuer. Vous avez aussi expliqué par le passé que votre objectif majeur, c'est de jouer l'école de la Coupe du Monde avec l'Algérie. Est-ce que le fait ou le projet qui fait que l'Afrique va bénéficier de 9 places et demi en 2026 a pesé dans votre choix? Et deuxième question, il y a une année, vous avez parlé de besoin de stabilité. Vous avez appelé à la stabilité. Quelle proportion vous mettez dans l'échec de la qualification, cette instabilité ou ce changement qui a été opéré il y a une année? Quelle proportion vous lui mettez dans l'échec? Stabilité au niveau de quoi de... Vous avez parlé, de la base, vous avez dit, on est dans une période assez... Je parle de fédération, stabilité à la fédération. Au bout du truc. Non, mais c'était ça, mais vous ne l'aviez pas dit. Vous avez dit, on a besoin de stabilité. Et je vois que, quand par hasard, il y a deux semaines, je crois, Didier Deschamps avait utilisé les mêmes mots pour parler de la Coupe du Monde au Qatar. Il a dit, on a besoin de stabilité. Ça veut dire que ça devient un maître mot. Ouais, ça dépend à chaque fois de quelle stabilité on parle. Effectivement, la stabilité quand ça va mal, quand tout va mal, évidemment qu'il faut un changement. Évidemment qu'il faut un changement, que ce soit sur l'aspect ô combien important d'une fédération où tout roule correctement, où les maillons sont bien huilés. On est, nous, de toute manière, nous, sur le terrain, il faut savoir que, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est, tu viens, tu mets 11 joueurs sur un terrain, sur un carré vert, les intervenants. Non, ça va bien au-delà de ça. Nous, on est juste, on va dire, à la fin de cette chaîne, qui fait que, surtout, je parle pour la grande performance et pour les grands résultats. C'est ce qu'on attend d'Algérie. Aujourd'hui, on a poussé, on a amené le niveau tel que, aujourd'hui, même quand on gagnait contre des équipes, par contre, on faisait un match difficile contre le Burkina Faso. Ah non, surtout pas le droit de faire un match difficile contre le Burkina Faso. Non, toi, tu dois battre tout le monde avec une facilité déconcertante, mais ça n'a jamais été le cas. C'est vrai qu'on a créé, quelque chose de nouveau. Ça, c'est les faits qui parlent, c'est les records et c'est les chiffres qui parlent. Donc, il est bon aussi que tout le monde revienne à la raison et fasse preuve d'humilité. Nous, l'humilité, on l'a. Nous, il n'y a aucun match. J'ai toujours dit, je vais là-bas pour gagner. Ça s'appelle de l'ambition. Mais je sais que je vais tomber contre. Mais je vais respecter l'adversaire, peu importe qui il est. Et je vais tout faire pour le battre. Ça. Mais nous, on a atteint un tel niveau. On a mené l'équipe à un tel niveau. Qu'après, c'est vrai qu'il y a légitime aussi. Des grosses demandes et des grosses attentes. Il s'avère que quand on a des grosses attentes et qu'on n'y arrive pas toujours, tout le temps, il y a effectivement la grosse déception. Pour revenir à cette stabilité, effectivement, nous, ça fallait commencer par là, en disant aujourd'hui, préparer ces deux matchs-là, Inch'Allah, ces trois matchs-là, sans réellement le président de fédération, ou une fédération qui est bien instable, incohérente, où on ne sait pas qui fait quoi, c'est pas la meilleure des choses, préparer un truc. Bon, j'ai des hommes autour de moi qui font en sorte et qui permettent, ça c'est dans les faits, qui permettent de ne pas me faire ressentir tout ça. De savoir qu'il y a toujours eu, et c'est préférable je pense, Sidi Moussa et Dele Ibrahim. Même si nous dépendons de Dele Ibrahim et toutes leurs décisions, et leur bonne marche, normalement, mais il y a quand même ces deux instances.
Donc on arrive à ne pas sentir, tu peux le voir juste en étant ici, et surtout dans le travail depuis deux mois avec les différentes personnes avec lesquelles on préparait cette date FIFA. On arrive à sentir que ce stage, Inch'Allah, se passera dans les meilleures conditions. Mais ça ne peut pas rester éternellement. Il faut que des bonnes décisions soient prises. Il faut que si nous on se remet en question, on est prêt à tout encaisser, prendre toutes les responsabilités. Il faut une bonne fois pour toutes qu'on mette les bonnes personnes au bon poste. Sur le fait de l'augmentation des équipes. Le HAP, Nazim, c'est vraiment pas. Bien sûr, ça existe. Hein. Je suis au courant de tout ce qui nous est. De tout ce qui nous concerne. Mais la première réflexion, elle n'a pas été celle-là. La première réflexion. Déjà, il y a un cycle. Pourquoi elle n'a pas été celle-là? Déjà, il y a un cycle, il y a une génération de joueurs qui, pour certains d'entre eux, ne seront pas concernés par cette Coupe du Monde en 2026. Et ne serait-ce que par le fait de la demande extrême que j'avais sur ces joueurs-là, et des exigences que j'avais avec ces joueurs-là pour cette Coupe du Monde-là, fait qu'il est difficile pour moi de me refaire des plans sur la comète et repartir sur le... Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de reconstituer. Parce qu'il va, il s'agira de ça. De reconstituer un groupe fort, un groupe compétitif, avec des joueurs qui arrivent et qui sont capables de prendre leurs responsabilités, comme certains l'ont fait. N'oubliez pas que des joueurs sont arrivés dans des situations beaucoup plus difficiles que celle-là. En 2018, quand j'arrive dans l'équipe nationale, vous savez très bien, c'était le chaos dans ce groupe de joueurs. Il n'y avait aucune cohérence. Il a fallu évidemment reformater l'esprit, recréer un groupe sain et compétitif. Ça, c'était par des prises de décision, c'était par une ligne directrice que tout le monde devait suivre. Et c'était aussi par des changements de joueurs. Mais ces changements de joueurs, ces nouveaux joueurs qui sont arrivés, ils ont assumé leurs responsabilités. À un moment donné, nous, on fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est important pour les mettre dans les meilleures conditions et les mettre, voilà, qu'ils puissent s'exprimer le mieux possible. Donc, je parle de staff technique, là, je parle purement de technique. Ensuite, c'est le joueur qui est sur le terrain, c'est le joueur qui met en application et qui fait en sorte d'être important dans cette équipe-là et de faire en sorte que cette équipe marche. Donc, moi, c'est là où j'appelle à... Pour parler de cette Coupe du Monde, elle viendra, ça viendra en temps. Celle-là n'est pas encore jouée. Moi, ce que j'ai envie de dire dans mon stage aujourd'hui, c'est l'Ouganda. Moi, c'est ma Coupe du Monde aujourd'hui, c'est ça. C'est l'Ouganda, c'est la Tanzanie. Ensuite, il y aura au mois de septembre les deux confrontations. Moi, mes Coupes du Monde, elles sont là maintenant. C'est dommage pour nous, c'est dommage pour ces joueurs. C'est vraiment dommage pour ces joueurs. J'estime qu'on a mérité. De se qualifier à cette Coupe du Monde. J'ai le droit de penser ça, c'est les faits qui parlent. Si vous reparlez, parce que ça m'intéresse plus que autre chose, si on veut reparler du match, le Cameroun sur les deux confrontations, ils ont l'occasion, deuxième mi-temps, sur le centre et le double arrêt de Rice. Mais à part ça, il n'y a pas une frappe au but. Il y a la frappe de Toko Ekambi au match aller sur coup franc. Ce coup franc un petit peu vicieux comme ça, quand il frappe, on pensait que ça allait être un centre qui frappe au but. Sinon, il n'y a rien d'autre. Nous, on a eu ce qu'on a eu. On a eu les situations qu'on a eues. En allant les battre chez eux. Tout ça me fait penser que voilà. Sûrement, on est croyant, Allah en a décidé autrement. D'autres perturbateurs aussi ont décidé autrement, où qu'ils soient. Et c'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous enrage. Donc, par rapport à ça, il est difficile pour moi de me projeter jusqu'en 2026 et de savoir. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette date FIFA, faire en sorte que les joueurs, notamment ces nouveaux joueurs, que les joueurs qui ont l'habitude de venir, soient de nouveau, je vais voir ça dans leurs yeux parce qu'ils ont été touchés, ils ont été atteints. Donc je vais voir dans leurs yeux s'ils ont faim.
Je vois qu'Aïssa Slimani, ça fait déjà 10 jours qu'il est assis du Moussa, qui bosse comme un gamin. Ici, déjà, j'ai déjà une première réponse. Ensuite, j'attends de voir certains joueurs, de voir comment. Parce que téléphone, on a tellement parlé que ça ne suffisait plus. Maintenant, il faut se voir. Et puis surtout ces joueurs, les jeunes, qui comprennent que voilà, on est un groupe de joueurs compétitifs, de joueurs qui ont faim, des joueurs qui veulent respecter cette sélection, respecter ce drapeau et répondre aux attentes du peuple. Parce que le football est le sport numéro un. Donc c'est ça, voilà ce qui m'incombe aujourd'hui, plutôt que de penser si loin. Bonjour coach, c'est Bilal Ben Ali, journaliste du NTV, la télévision algérienne. Coach, je vais commencer là où vous avez terminé. Vous allez reconstruire un groupe fort, compétitif. Je veux savoir, coach, aujourd'hui, sur quel état d'esprit se retrouve ce groupe. Vous avez expliqué, vous avez dit coach, que... Je ne les ai pas encore vus, les joueurs, ils arrivent cet après-midi. Il n'y a pas de souci, coach, concernant ce point. Vous avez expliqué, vous avez tout dit qu'on était meilleur pendant des années, ça c'est sûr. L'arbitre a gâché bien sûr la partie ici face au Cameroun. Mais coach, aujourd'hui, pensez-vous qu'on a négligé un petit peu l'aspect psychologique lors de la dernière période avec l'équipe nationale? Est-ce que vous allez focaliser sur cet aspect psychologique pour un nouveau défait avec cette équipe nationale? L'aspect psychologique, c'est quoi le mental des joueurs, parce que peut-être, je ne sais pas, on a vu les joueurs en quelque sorte peur des grands matchs, on a vu une série d'invincibilité. Alors, regardez, j'ai compris la question. D'accord. Cinq équipes qualifiées à la Coupe. Nigeria. On va mettre ça de côté. On va commencer par le Sénégal. Une grosse équipe. On les a battus deux fois. Ensuite, il y a la Tunisie. On les a battus deux fois. Il y a le Ghana. On les a battus une fois. Non, il y a le Cameroun. On les a battus une fois et demie. Et le Maroc, on les a jamais vus. Donc sur les cinq équipes qu'on a en plus à tous battus. Ensuite, les équipes qui arrivent derrière. Le Nigeria, on les a battus deux fois. Puis voilà, on n'a pas joué l'Egypte. Voilà, donc c'est le Congo, là, qu'on a fait match nul, c'est un match amical. Donc les Mali, on les a battus deux fois. Donc les grosses équipes, de tous ces 10 là, on a quasiment battu tout le monde. Ça, c'est des faits. Le Hadra, du monde à Hadra, on peut parler de psychologie, vous êtes psychologue. Et vous pouvez parler tant que vous voulez, c'est les faits qui parlent. C'est pas un match, c'est pas une fois de temps en temps. C'est une longue période entre toutes ces équipes-là. Maintenant, si vous voulez parler, moi j'aime bien le détail. On n'est pas des grossistes, nous. On balance tout comme ça, à l'âge de 20 secondes. Si vous voulez parler des 20 dernières secondes, je parle des deux matchs. Par exemple, on a gagné au Cameroun. Oui. On a gagné, on a fait un grand pas vers le mondial et on a perdu là. Sur les 20, bien je dis sur les 20 dernières secondes. Ben voilà. Donc c'est 20 dernières secondes. Donc déjà, aller battre le Cameroun au Cameroun, quand ils n'ont pas perdu pendant 24 ans. C'est un avantage pour nous, coach. Je suis en train de développer. Ça veut dire que déjà psychologiquement tu es costaud. Moi là, si vous voulez que je vous donne mon point de vue sur ces 20 dernières secondes, c'est plutôt ceux qui ont dit quand on a marqué, on s'est déconcentré. Non. Alors c'est ma position à moi, c'est mon expérience à moi et mon expertise à moi. C'est plutôt, généralement, quand tu marques un but comme ça, juste sur la fin, le fait de prendre de temps, le temps de célébrer, de rester ensemble, l'adversaire, quand il encaisse un but à la 118e minute, il reste 2 minutes ou 6 minutes avec les arrêts de jeu, qu'est-ce qu'il éprouve? Qu'est-ce qu'il a envie tout de suite, l'adversaire? Pour ceux qui connaissent, on revient vite le ballon au milieu et qu'on joue le plus vite possible. Donc, pour empêcher ça, tu restes, tu célèbres. Et généralement, ça te donne un supplément. Tu as raison, ça te donne un supplément d'âme, encore plus d'énergie, t'as marqué un but, t'es encore plus déterminé. Ça, c'est pour ceux qui ont joué au football, ils comprennent ce sentiment. Donc, c'est pas ça
du tout, comme ceux qui ont dit ah, mais ça les a déconcentrés. Ça, c'est ceux qui n'ont jamais joué au football, ils n'ont pas d'expérience. Donc ça ne déconcentre pas, bien au contraire. Ce qui, moi, me pose problème avec ce là où on a. Où j'ai, peut-être qu'il y en a eu des gens qui ont pu dire ça, j'ai pas tout vu, pas tout entendu. Moi, où ça me posait plus de problème, c'est là où je suis en colère, c'est le fait, le petit regroupement qu'il y a eu quand Sofiane Bendebka a fait la faute et qu'on a fait son petite bagarre, entre guillemets, juste avant le but. Si vous regardez bien, personne n'en a parlé de ça. Mais c'est ça le plus important. Qui est venu dans cet regroupement? Vous n'avez pas vu juste. C'est là le problème. Il y a Hussein Ben Ayada, il y a Ahmed Touba, il y a Bedran. Je ne parle pas de Ishaq, je ne parle pas de Riyad, et je ne parle pas de Sofiane Bendebka sur lequel il y a faute. Il fait faute. Ceux-là sont plus hauts. Ceux-là, à la limite, ce n'est pas le problème. Ils sont là, ils perdent un peu de temps, ils sont dans le truc. Et qu'est-ce que fout nos défenseurs centraux là-haut, à aller venir s'embrouiller pour rien du tout. Là est le problème. Là, c'est là où on peut. Parce que s'il reste, quand on voit un Ben Ayada, avec qui on a bossé particulièrement, lui plus que tous les autres, et individuellement, les deux mois suivant le premier match. Pourquoi? Parce que pour moi, le joueur le plus important, le joueur le plus dangereux, c'est Toko Ekambi. Donc, c'est le joueur le plus intelligent, c'est le joueur le plus vicieux, c'est le joueur le plus malin, et c'est là où tout se passait. Hussein Ben Ayada a eu le mérite, sur 1h30, quasiment 2h, sur quasiment 3h30, entre le premier match et le deuxième match, de mettre Toko Ekambi dans sa poche. Il a fallu qu'il aille dans l'attroupement s'accrocher avec je ne sais pas quel joueur pour perdre sa concentration. Finalement, sur le but, je ne suis pas en train de le pointer du doigt, je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous dire déjà que pendant 3h30, il a eu ce mérite. Il a eu ce mérite parce qu'il a préparé ce match-là de la meilleure des manières. Il a juste eu juste fait cette erreur de sortir de sa concentration, sachant que le football, ce n'est que ça, surtout au haut niveau. Quand un joueur comme Toko Ekambi qui joue la Ligue des Champions avec Lyon et qui est performant, dites-vous que c'est le haut niveau. Et qu'il a perdu cette concentration, si vous regardez le but, il est à 2 mètres derrière l'alignement. Tu peux être à la limite, tu n'es pas aligné, c'est une erreur, tu as peur, tu ne veux pas jouer leur jeu. Mais dans ces cas-là, il faut que tu prennes ton joueur. Donc il est ni dans l'alignement, ni dans la prise du joueur. Et c'est ça, c'est trois défenseurs centraux. C'est là où la déconcentration se fait, et c'est là où on perd. C'est le haut niveau, ça joue sur des détails, on le savait, je vous ai dit, toutes les rencontres, c'est 1-0, 0-0, pénalty, voilà. Si on y rajoute l'arbitre, voilà, ça fait beaucoup de choses. Mais quand même coach, vous allez... Non, c'est pas quand même coach, j'étais complet, là, ce que j'ai dit. Bonjour, Sofia Mekbel, HTV. Pour revenir sur les deux matchs qui s'annoncent, est-ce que vous vous mettez dans une posture où ce sont des matchs d'observation ou de compétition, ou les deux à la fois? Et dans le groupe, vous avez convoqué un ou deux joueurs qui ont vécu une saison un peu difficile avec la fleuve. En quoi ces deux matchs et ce stage peuvent vous servir afin de les relancer mentalement? Merci. Qui? Slimani ou Mandy? Jonas. Donc déjà la compétition, ça c'est sûr, si on veut que ça, nous, de la compétition, on veut que renouer avec la victoire, on est là pour ça. On est animé, on va retrouver les joueurs là maintenant, parce que l'ensemble du groupe arrive maintenant. Bon, il y a eu quelques-uns qui ont eu des problèmes de pouvoir arriver parce qu'ils jouaient hier, il y en a 2-3 qui vont arriver demain, mais l'ensemble du groupe arrive aujourd'hui. Donc, nous, ça reste, c'est où on repart avec l'idée de compétition, d'aller faire de la victoire notre principal objectif à chaque fois, ou non, il n'y a pas d'observation. Et non, ça n'empêche pas l'observation. Il va y avoir des joueurs, je vous ai dit, il va y avoir des joueurs qui vont les mettre au compte-gouttes. Et je ne veux pas les mettre dessus dans la difficulté. Donc on va faire en sorte de faire les meilleurs choix possibles pour pouvoir être et très compétitif, gagner, et intégrer doucement ceux qui nous auront donné
entre guillemets, l'envie, bah, sur les 4-5 séances d'entraînement, l'impression qu'ils peuvent jouer ce genre de match très particulier. Ensuite, il y aura ce troisième match, Inch'Allah, j'espère qu'on arrivera à finaliser aujourd'hui, demain. Et là, dans ce cas-là, on aura la possibilité de voir et d'observer tout le monde. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les joueurs en manque de temps de jeu, on parlait clairement, le souhait, et je l'ai toujours dit, le souhait d'un sélectionneur surtout, c'est d'avoir 100% de son effectif avec des vrais temps de jeu. Parce qu'on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de remettre les joueurs à niveau, et c'est pas le but surtout. C'est, la sélection nationale, c'est le meilleur joueur au bon moment. Il y a des postes, pour ceux qui disent mais lui il n'a pas de temps de jeu, comment ça se fait qu'on l'a sélectionné, tout ça, tout ça. Quand je dis ça, je ferme pas et dis voilà, si lui il joue pas, il ne peut pas venir. Il y a des postes ou des situations particulières où on est obligé de faire un. Enfreindre la règle. L'idéal pour moi, ce serait que tous mes joueurs soient compétitifs et tous mes joueurs ont un minimum de temps de jeu. Tu peux ne pas être sur 4 matchs dans le mois, jouer les 4 matchs. Tu peux en faire 2 complets, rentrer une fois, et puis voilà. J'estime qu'avec les entraînements, avec tout ça, j'estime que tu es compétitif. N'oublions pas aussi que nous n'avons pas le plus grand effectif. Des fois, on s'imagine, oui, Anna. Et après, mon joueur d'attaquant, Slimani ne joue pas. Quel est directement, là, si je vous pose la question, parce que la sélection, c'est facile, quel est directement l'attaquant de niveau international de suite disponible? De suite, maintenant disponible, sinon. Vous avez le droit de dire, hein, si vous connaissez. Non, pas. Le meilleur en termes de temps de jeu, c'est Zedatka. C'est un joueur. Là, j'ai parlé d'attaquant. Attaquant. De l'or. Ah voilà, je l'attendais celle-là. Ben... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert la boîte, c'est la boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'elle dit de l'or? Moi. Vas-y. Moi, je pense qu'Amoré, c'est son meilleur niveau. Parce que j'ai parlé avec son entraîneur d'Amoré. Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah. Une chose. Il a gagné la Coupe. La marque, c'est pour de l'or que vous avez dit ça. Pardon, il est en train de parler. Vous avez dit Inch'Allah, ça va rentrer dans l'ordre. Inch'Allah, ça rentrera dans l'ordre. Attends, pour de l'or. Mais il a dit de l'or, ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai dit Amoura qu'il est au bon fort. Ouais, Amoura. C'est le dernier jour parce qu'il a gagné la Coupe. Bien sûr. Et en plus, le dernier match passe mal, il a marqué déjà le but. Ouais. Et apparemment, il a eu des soucis juste après la Coupe d'Afrique des Nations de Paris Saint-Germain, donc il ne pouvait pas, même pas courir. Non, je pense qu'il va prendre un profil. Voilà. Deux secondes, on parle d'attaquant. Hein, tout dépend du système de jeu. Voilà, non, mais pour moi, si on parlait de football, on va se concentrer 2 minutes, les gars, sinon on arrête la conférence. Pour moi, Amoura, c'est un joueur qui, évidemment, qui a des qualités. Évidemment, qui a des qualités, on les connaît. Il sent le but, il a cette capacité à prendre des espaces, il va assez vite. Mais c'est très difficile, on va faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions, mais c'est très difficile à ce niveau-là. Je dis Amoura, oui, moi aussi j'ai envie d'y croire comme tout le monde y croit, mais au niveau international, si tu joues avec un attaquant par exemple, c'est très particulier de mettre un attaquant de comme ça, tout seul par exemple, c'est délicat. Donc il faut trouver la bonne combinaison, c'est plutôt à jouer avec 2 attaquants, dans des conditions bien précises. Je sais qu'il peut jouer un peu sur les côtés, d'ailleurs dans son club je pense qu'il joue plus sur le côté que dans l'axe. Mais en gros, ce que je vais vous dire par là, c'est que sur certains postes, il est difficile parfois de trouver des joueurs, tous nos joueurs avec un temps de jeu suffisant. Donc des fois on fait on en fera la règle, mais l'idéal pour moi c'est d'avoir tout le monde compétitif pour pouvoir bénéficier. C'est le choix du roi, d'avoir tout un groupe compétitif. Et là, dans ces cas-là, tu peux faire ce que tu veux, tu peux jouer à ce que tu veux. Des fois, tu es obligé de baisser un petit peu tes exigences. Salam alaikum, coach Karim Al-Arabi, Qanat Al-Jazair Al-Dawiya. Coach Moubarak Ouganda, تعرف عودة المنتخب الجزائري لملعب 5 جويلية بعد ما كانت مقررة بوهران، لكن لأسباب
راح تلعب في ملعب خمسة جولية، حابين نعرف فقط يعني دمو على الروتور تاع ليكيب ناسيونال ملعب خمسة جولية، وهل المنتخب الجزائري راح يواصل ربما مباراة التصفيات في ملعب خمسة جولية؟ لأنه المباريات كانت مقررة، ثلاث مباريات كانت مقررة في وهران، لكن في الأخير المباراة الأولى أمام أوغندا تلعب في ملعب خمسة جولية، هل راح تواصلوا إذا ممكن المنتخب الجزائري يجدد الملعب تاعو في ملعب خمسة جولية؟ Apparemment, la conférence de presse, ça parle dans tous les sens, on ne s'entend pas bien. Soyez patient deux minutes, on termine bien, il y a des gens qui regardent, par respect pour eux. Donc, on a le barnamage qui fait voir jusqu'à là, il y a 400 jours. Donc, on a une machine de décision, on a fait 5 juillet. Moi, j'ai aucun. J'ai toujours dit, je me suis dit 5 juillet ou le malab, le bled. Voilà, c'était plutôt les joueurs, les canaux, Hassine, se sentaient mieux à Tchaka, on en a plutôt parlé. C'est un non-événement, Alhamdoulilah, 5 juillet, avec plaisir, j'ai vu beaucoup de matchs, justement, il y en a eu beaucoup d'ailleurs, beaucoup de matchs sur 5 juillet, j'ai vu que la pelouse, en tous les cas, j'ai pas été dessus, je vais sûrement y aller aujourd'hui, demain. La pelouse avait l'air de tenir et d'être en bon état. Donc on est content de retourner au 5 juillet. Si on peut en plus dire les capacités pour recevoir les supporters, si on peut jouer dans un stade rempli, ça serait de bon augure, on souhaiterait ça. On aimerait ça, Inch'Allah. Les deux dernières, je pense. Je ne veux pas contredire le secrétaire général s'il a dit ça. Ouais, il a plus d'indications que moi, mais moi j'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu que le problème c'était un problème d'homologation. Non, c'est pas ce que j'ai entendu. Wallah. Allez-y. Bonjour coach. Coach, ce stage vient à peu près à la fin de saison footballistique, la plupart des championnats sont finis. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à l'état physique de vos joueurs? Ça, concernant quelques joueurs qui ont joué beaucoup de matchs dans le champ. Merci. Oui, c'est toujours quelque chose à prendre en considération, ça. C'est à prendre en considération. On arrive en fin de saison, il y a une fatigue évidemment, surtout sur les joueurs qui ont beaucoup joué. Et puis il y a les vacances qui se raccourcissent finalement pour eux. Là où ils attendent d'aller se reposer, on leur demande de faire des matchs internationaux. Justement dans les matchs, dans ce troisième match qu'on pouvait avoir, on avait des destinations où on devait se déplacer trop loin, on sait que ça n'aurait pas été bénéfique, parce que ça va prendre en considération ce point-là. Les joueurs suivent, les joueurs ne disent rien, telle implication des joueurs, mais Gouloël, on sait que voilà, pousser, si on devait jouer par exemple ces matchs sur ces destinations assez lointaines, on sait que ça serait situé autour du 13 ou 14 juin jusqu'à la dernière jour de la date FIFA. Le 15 retour dans leur pays, plus ou moins, si c'est en Algérie, en Europe, je ne sais pas quoi, et très tôt reprendre la saison, parce que justement il y a la Coupe du Monde cette année et que la Coupe du Monde se fait au mois de novembre, donc tous les clubs vont reprendre très tôt. Il y a des clubs qui vont reprendre justement mi-juin, donc au dernier jour de la date FIFA. Donc on dirait peut-être que les entraîneurs peuvent donner un petit peu de jour pour les joueurs, pour les internationaux. Déjà, un, c'est pas tous les entraîneurs. Et deux, quand on donne un peu de jours, c'est un peu de jours, c'est pas beaucoup. Donc, tu as tes vacances réduites vraiment. Donc, c'est toujours un contexte particulier de jouer comme ça en fin de saison. Ça a toujours été le cas, la Coupe Eiffel. Il va falloir faire avec. Moi, sur les deux premiers matchs à la limite, ça pose pas trop de problèmes. Hein. On joue le 4 et le 8. À la limite, si j'avais libéré le joueur
le 9 à la limite, si on prend un peu de temps. Moi, je tiens à faire ce troisième match-là pour pouvoir voir tout le monde, pour devoir faire un effort. Peut-être, il va falloir faire preuve d'un peu d'intelligence. Peut-être après ce deuxième match, on libérera 3-4 joueurs qui ont fait une saison lourde, qui ont joué la Champions League, qui ont joué tout ça, et qui vont avoir leurs vacances réduites, sans pour autant avoir la possibilité d'avoir des vacances par leur club, et surtout qu'ils ne seront pas obligatoirement concernés par ce troisième match. Donc, tout ça me fait dire que peut-être l'intelligence voudrait qu'on les libère un petit peu, on n'aura pas beaucoup, on a 3-4, mais qu'ils ne mettent pas en difficulté le troisième match surtout. Il faut avoir des joueurs qui vont jouer, des joueurs qui peuvent rentrer au cas où. Tout ça, ça en prend en compte évidemment. C'est une grosse difficulté, la main du football. Peut-être qu'il n'y en aura pas, malheureusement. Une bonne question pour clôturer. حسين بوشكين جريدة الملعب تحدث انت الشعب الجزائري هذا الشعب الجزائري اليوم سعيد جدا ببقائك على رأس العرض الفنية وإحنا كجزائريين أبناء الشعب سعداء جدا ببقائك على رأس العرض الفنية أمور بوليس بورتير الجزائريين يدعموك وساندوك في وقت الصباح والضراء دوزيام كيسيون اليوم نشوفوا نهاية موسم رياضي في البطولة الأوروبية بالنسبة للاعبين الدوليين تألقوا شوفوا رياض محرز توج بالبريمير ليج اسماعيل بن ناصر بسكوديتو بعد سنوات طويله يعني الجزائر عمورها بكاس سويسرا من دون شك كان انت كناخب وطني يزيد فيك النص تشوف هذه اللاعبين كانوا يدربوا على يدك توقف في البطولات الاوروبيه لا عيسى ماضي دمي فينال تشامبيونز ليغ ثاني بو عيسى الا تقولوا الا تسقسي الا تقولوا الا فرحان على الموسم تاعك بالك ما يكونش 100% ساتيسفي parce que voilà, il aurait préféré plus jouer, et nous-mêmes on aurait préféré qu'il joue plus. J'espère que l'année prochaine, il y aura des. Cet été aussi est très important pour nos joueurs, qui prennent les bonnes décisions pour pouvoir être plus compétitifs l'année prochaine, ça c'est très important. Ensuite, évidemment, c'est une bonne. Ça, pour le coup, c'est une bonne question. Pas une bonne question, c'est un constat. فرحانين وفخور اليوم على رياض وعلى اسماعيل سي vrai que Milan n'avait pas gagné le championnat depuis très 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 longtemps je sais pas 11 ans donc alhamdoulillah avoir c'est pas tous les jours un compatriote qui peut gagner un scudetto je crois que c'est la première fois donc ça mérite c'est vrai qu'Ismaël était tellement discret qu'il des fois on oublie on l'oublie tout simplement. Donc félicitations à Ismaël, félicitations à Riyad, à Moura qui a gagné sa coupe. On espère qu'on aura d'autres. On espère qu'on aura nos joueurs. Ça veut dire des choses, ça. Ça veut dire des choses que d'avoir des joueurs de notre équipe nationale qui gagnent des trophées ici et là. Ça veut dire qu'ils ramènent leur expérience, leur qualité, leur truc, et mettent ça au service de l'équipe nationale. Donc félicitations à eux. Chaque comme un truc, je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois, ça perdrait de sa valeur. Rana parce qu'elle a dit l'homme. Elle a dit l'homme dans la première idée. Ensuite, il y a le travail, il y a être en accord avec le travail qu'ils vont mettre en place, et surtout croire au travail qu'ils vont mettre en place. Et donc ça vient en second temps. Avant même de réfléchir à ça, d'abord savoir si on est entre guillemets, pas dire désiré, mais si on répond toujours à une certaine attente et une confiance. Il y a aussi les dirigeants. Les dirigeants, on n'a plus pour l'instant. Donc le prochain, j'espère qu'il va. Candidature, effectivement. Donc le prochain, j'espère qu'il nous fera confiance aussi. Après nous, j'espère qu'on repartira pour un cycle. Notre but. Ça, on ne perdra pas ça. Et si je sentais que je n'étais pas capable de faire ça, on aurait laissé la place à d'autres gens plus compétentes. Mais notre but, c'est toujours de faire en sorte d'être une nation forte et d'élever toujours nos drapeaux le plus haut possible.
qu'on soit respecté le plus haut possible, au plus haut point. Donc ça, ça c'est la quête de notre travail, et moi je suis habité par ça. Moi je n'admets pas que notre équipe ne soit pas en Coupe du Monde. Je vis une partie du temps au Qatar et il y a tous les drapeaux des qualifiés pour la Coupe du Monde qui sont dressés sur toutes les rues de Doha. On peut voir l'Algérie fait mal. Un mot sur le décès de l'ancien international, Fawzi Mansour. Allah yarhamo, Allah yawsi alayh. Tous ces joueurs qui ont rendu service à cette équipe nationale, ont participé à des Coupes du Monde, qui ont représenté l'équipe nationale au plus haut niveau, ont toujours été. D'ailleurs, on n'a jamais trop entendu parler de ces joueurs. Les SF, nous, on a cette tendance à oublier un petit peu, à oublier nos joueurs. On a la mémoire courte. Des fois, c'est malheureux. Des fois, je m'imagine qu'il y a un bureau, un organisme qui serait chargé comme ça de faire attention, pas que le football, pas que les footballeurs, tous les sportifs, au moins tous les sportifs, je reste dans le domaine du sport, et faire en sorte qu'il y ait un suivi, qu'ils ont représenté le pays au plus haut niveau. Et ils se sont battus pour ça, et surtout à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de réels moyens, il y avait juste vraiment l'envie d'aller représenter son pays. Et voilà, on va parler de lui, mais il y en a eu d'autres aussi, ces dernières années aussi, qui sont partis dans des conditions un petit peu... Hamid Zouba. Hamid Zouba aussi, alhamdoulilah, on a eu l'occasion de lui rendre visite. Il y a aussi Nadawi qui est malade, Abba Echafé, on ira le voir, Inch'Allah. Ça a été mes entraîneurs en plus. Donc voilà, faire en sorte qu'il y ait une petite structure qui permettent d'avoir un suivi de nos anciens sportifs et faire en sorte de les assister si besoin est, nous-mêmes avoir une solidarité, je pense, c'est le minimum à avoir, plus de reconnaissance en fait, plus de reconnaissance pour nos anciens joueurs. Merci. Ma dernière question. Est-ce que les portes sont ouvertes pour Olivier Dancourt? Il a répondu. Non, ce que je peux dire, c'est que je l'ai dit, je l'ai répété, ceux qui ont voulu pervertir mes mots, je les prends au défi d'aller vérifier exactement ce que j'ai dit. J'ai toujours défendu l'instance. Déjà, j'ai toujours défendu je pars toujours d'un principe, j'ai rien de personnel avec, j'ai déjà dit ça, absolument rien de personnel avec Andy, bien au contraire, si vous pouvez regarder un petit peu mes interventions, même sur le reportage du Bein Sport après la CAN, c'est un joueur qui a été exemplaire quand il a été avec nous, il n'y a pas de souci là-dessus, humainement il n'y a aucun problème parce que c'est un joueur qui est sans problème, il y a juste une prise de position qu'il a eue, pas par rapport à moi, par rapport à l'équipe nationale. Par rapport au pays, par rapport à la fédération, par rapport aux joueurs. Pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, telle prise de décision dans un groupe, c'est une bombe. Donc, je vous mets dans la confidence, il y a eu une discussion depuis. Voilà, et puis les choses, il y a d'autres informations qui sont intervenues, qui n'étaient pas là avant. Avant, c'était très clair ce qu'il avait mis comme souhait, avec ce qui avait motivé ce souhait-là, c'était très clair, et c'était pas acceptable pour nous, tout simplement. On ne peut pas faire ça. C'est ouvrir une porte à beaucoup, beaucoup, beaucoup de déviance. Nous, on n'accepte pas ça. Maintenant, il y a eu d'autres éléments qui sont apparus. Il y a eu... et puis, Inch'Allah, voilà. En temps et en heure, il aura réussi à dire des choses. Et jamais on... L'équipe nationale, c'est pas, elle n'appartient pas, j'ai même dit, loin de là. Je suis au service de cette équipe nationale et tous ceux qui sont au service de cette équipe nationale se doivent d'être irréprochables, tout simplement. Merci. Bon, merci.